La sophrologie a été créée en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo, neuropsychiatre. Il a défini la sophrologie comme étant science et étude de la conscience. Donc son objectif était d'étudier ce champ qui était plutôt réservé à la philosophie encore à cette époque et de voir comment on pouvait travailler concrètement avec des outils simples en état modifié de conscience sur ce champ de conscience. Il a fait de nombreuses recherches en milieu hospitalier au fur et à mesure qu'il a créé ces techniques pour pouvoir les tester. Des techniques pour améliorer le sommeil, améliorer la gestion du stress, la gestion des émotions, gérer et comprendre les maladies psychosomatiques. Petit à petit, il a élargi les domaines d'application de la sophrologie. Un domaine dans lequel la sophrologie s'est fait remarquer rapidement, au-delà du domaine clinique que nous venons d'évoquer, est le domaine du sport. Grâce à un autre grand nom de la sophrologie, le docteur Raymond Abrosol, qui a entraîné les équipes suisses de ski dans les années 70, et avec cet entraînement sophrologique, les équipes ont gagné énormément de médailles. C'est ce qui a permis de dire que la sophrologie pouvait être aussi un outil que l'on allait pouvoir utiliser en entraînement mental, d'abord pour les sportifs, puis ensuite dans les entreprises et plus avant pour toutes sortes de préparations. Préparation d'examens, préparation à des entretiens, finalement préparation à tout ce qui peut être stressant dans la vie quotidienne. Elle est donc à la portée de tous. On peut l'utiliser aussi bien avec des enfants, des adolescents que des adultes et même des personnes du troisième ou du quatrième âge. Elle est très transversale, très utile. Elle a fait ses preuves depuis les années 70 et les études cliniques montrent une nette amélioration des patients lorsqu'ils utilisent régulièrement ce très bel outil.